Ces derniers jours, j'ai croisé des images vraiment trop mignonnes. Un bébé paresseux, un tout petit paon, et même des pingouins qui prennent des selfies. C'est trop mignon, et pourtant, c'est bidon. Ce sont des images générées par intelligence artificielle, je vous explique comment le prouver. Vous pouvez utiliser des outils en ligne pour vous faire une première idée, comme le site Hive Moderation. Sur nos trois images d'animaux trop mignons, le verdict est clair, images générées par intelligence artificielle. Mais attention, cet outil n'est pas toujours fiable à 100%. On lui a donné cette image de tête de chien monstrueuse générée par intelligence artificielle, et là, l'outil n'est plus trop sûr. Alors, que faire quand un outil ne donne pas de résultats satisfaisants? Heureusement, il est encore possible de repérer les images générées par intelligence artificielle grâce à votre observation. Sur cette image par exemple, le pouce humain semble coupé au milieu. Et là, c'est au second plan qu'un pingouin a une tête très bizarre. En résumé, pour l'instant, ce type d'image n'est pas toujours parfait, donc faites confiance à vos yeux, c'est encore votre meilleur atout.